Voici, madame, mademoiselle, monsieur, dans cette salle 612, une belle rencontre avec monsieur André Poré, le premier conférencier que nous ayons présenté au public en 1979. C'est bien exact que vous êtes ingénieur de formation? Oui, je suis ingénieur, j'ai été industriel, j'ai aimé passionnément ma vie d'ingénieur et d'industriel, mais toute ma vie, j'ai mené sans arrêt ensemble le côté de la spiritualité et le combat de la vie dans le plan matériel. Et tout cela n'est pas en opposition, au contraire, tout cela se complète parfaitement et harmonieusement. Ben, je le remets entre vos mains. Merci, merci beaucoup pour cet accueil. Je suis très touché de toute l'amitié et de tout le rayonnement de sensibilité que donne Richard et du contact qu'il vient d'établir avec vous tous. Je viens de France, c'est la quatrième fois que je viens au Québec. Mais si je reviens chaque fois, c'est que la spiritualité est en germe dans tout le Québec et je l'ai senti profondément. Toute ma vie, j'ai souffert de ne pas pouvoir propager autour de moi le désir de comprendre ce qu'est la spiritualité. Mais depuis quelques années, je suis vraiment comblé. Le chemin de la spiritualité, il y a 50 ans, car je suis vieux, ce chemin de la spiritualité était un chemin solitaire. Mais je ne l'ai jamais quitté quand même. Et maintenant, quelle joie de pouvoir rassembler, comme ici, un nombre important de personnes intéressées par la spiritualité. Ceci dit, je ne veux pas vous faire de compliments, et je ne chercherai pas à faire des compliments. Je voudrais surtout vous dire cela. Ça devient une nécessité pour notre civilisation. L'homme n'est pas le maître des choses, comme il l'a cru longtemps. Longtemps, l'homme a cru que la Terre était au centre de l'univers, c'était lui, etc. Pas du tout. Ce n'est qu'un petit élément de toute une courbe d'évolution. Alors, il faut qu'il comprenne cela. N'est-ce pas, voilà le point de départ. D'où l'angoisse, etc., qui est venue. Et ensuite, dans cette évolution de l'homme, qui est une courbe, il faut que l'homme puisse la définir et qu'il comprenne. Et qu'il comprenne qu'il est destiné à devenir un être d'une intelligence exceptionnelle par le fonctionnement de tous les neurones de son cerveau, du développement du cerveau. N'est-ce pas ? Et tout cela, par conséquent, nous conduit à dire, bon, s'il y aura toutes ces connaissances nouvelles qui vont venir, comment les acquérir, comment les aborder, comment les définir ? Il faut que l'homme s'analyse sans cesse pour faire le point avec ce qu'il est. Il oublie de s'analyser. Il oublie de s'analyser dans ses plans supérieurs. Tout le plan de l'intuition, de l'imagination, de la clairvoyance, etc. Comment le ressent-il? C'est déjà là, dans l'homme. Il faut qu'on trouve la porte. Ses facultés sont en lui encore, et c'est à lui de les développer. Comment? Comment? Simplement en essayant, dans le cas présent, je pourrais dire, de mettre ce néocortex à l'arrêt de temps en temps. Mais l'homme est toujours pris par le bruit de ses pensées, et n'arrive pas, par conséquent, à apaiser ses pensées. Et ça, c'est très net. Quand je dis aux gens, dans toutes les philosophies orientales, la recherche de la sagesse, c'est la méditation. Et la méditation consiste à faire quoi ? À arrêter le mouvement des pensées. Et les gens me disent, mais il est impossible de rester sans pensée. Et je dis, si, on peut très bien rester sans pensée, en restant simplement disponible. Et si vous arrivez à cela, je pourrais vous développer cela ensuite, mais si on arrive à cela, alors l'intérieur commence à se manifester. Et c'est par ces états de méditation qu'on peut peut-être, par conséquent, réveiller de nouveau ces états d'intuition intérieure. L'air absorbé passe par un des canaux et remonte le long de la colonne vertébrale pour être rejeté. Là, la respiration est aspirée par les deux canaux, puis rejetée. Cette respiration prépare à la position de méditation. Mais il y a encore dans l'être humain, tout le côté qu'on pourrait appeler le côté affectif, qui emprisonne l'homme, parce que l'orgueil de l'homme, c'est le même maintenant comme il y a 500 ans. Jules César qui voulait tout dominer, c'est le même esprit que Napoléon qui voulait tout dominer, c'est le même esprit que le PDG de je ne sais quelle puissance ouvrière ou d'acierie qui veut tout dominer.
C'est le même esprit, c'est le même orgueil, c'est le même égoïsme. Mais cet orgueil ne pourrait pas être transposé sur le plan collectif. Mais c'est ce qu'il faut souhaiter. Mais pour que cet homme accepte de transposer son orgueil sur un plan collectif, il faut qu'il passe par une étape de souffrance ou de déception ou de désespoir, qu'il comprenne la vanité de son désir. Cet ashram est mené par un agori. L'agori se réalise seul. Pour se réaliser, l'agori a suivi une voie déroutante et terrible, traitant son corps avec violence. Il mangera des déchets, des excréments, il boira du poison. Il méditera en pleine nuit dans la forêt, assis sur un cadavre. Mais cette voie ne s'enseigne pas. L'agori, une fois réalisé, déborde d'amour pour tout ce qui existe. Depuis 30 ans, cet homme est silencieux. Il répond à nos questions par écrit. Dieu est silence. Tous les hommes n'ont de commun que leur silence. Aider quelqu'un, c'est lui transmettre son silence. Je peux dire que je n'ai pas eu, moi, le courage de pouvoir me détacher de toute chose, alors qu'eux ont su se détacher de toute chose. Mais la solution n'est pas quand même dans le détachement total de toute chose. Ils se sont écartés du chemin de l'humanité en général. Mais je voudrais que nous voyions cette humanité dans son évolution actuelle, n'est-ce pas ? On peut transposer simplement l'ensemble de ceci en partant sur l'homme actuel comme s'il était le proconsul d'ici. Et nous voyons par conséquent que dans l'avenir, il y aura certainement des variétés qui iront dans les déchets et d'autres qui iront dans l'évolution, parce qu'elles auront permis au cerveau, au crâne, à l'ensemble de la structure humaine de s'épanouir harmonieusement. On parle des surdoués, qui représentent au contraire une variété un petit peu nouvelle. Par conséquent, nous allons aboutir à une sorte d'épanouissement qui va se présenter. Alors, il faut comprendre cela et ne pas neutraliser cette évolution. Il ne faut pas traiter les surdoués comme des dégénérés, les dégénérés comme des surdoués. Ce serait une erreur totale. Il faut permettre cet épanouissement et ce développement. Voici quelques toulkous. On leur présente à ce moment des objets divers parmi lesquels figurent des objets leur ayant appartenu et ils les reconnaissent aussitôt. On leur donne à ce moment-là un maître particulier. Ce jeune toulkou est considéré comme la réincarnation d'un très grand lama. Un jeune toulkou dans la cellule avec son maître. Le voilà à nouveau. Les mudras sont des gestes symboliques faits avec les mains et qui accompagnent les méditations. La série suivante appartient au bouddhisme tantrique et son enseignement reste secret. Ingénieur et industriel, j'ai vécu par conséquent la vie industrielle de notre époque, j'ai pu suivre toute la progression de la technique en général. Et je me suis posé des questions lorsque, devant les progrès de la science, devant les progrès de la technologie, je me suis posé des questions concernant l'homme pour savoir s'il arriverait à digérer tout cela. Dieu est simple, la vérité est simple. Soyez également simple. Cherchez en vous et vous trouverez que là est le maître. Mais quand ? Seulement quand vous n'y êtes pas. Ici, nos capsules ont une durée maximum de 10 minutes. Je vous donne rendez-vous pour voir l'intégrale sur notre site officiel d'ésotérisme expérimental, esotérisme-exp.com. C'est un rendez-vous.
À bientôt.